Salut tout le monde, c'est Lynn Makeup. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. Personnellement j'adore ces périodes de l'année, donc je me devais de faire une vidéo wishlist ou en rapport avec Noël, n'importe, sachant que je suis un petit peu en retard sur mon planning de Noël. Avant de commencer la vidéo, donc cette vidéo sera sur ma wishlist et sur Instagram. Si vous me suivez toujours pas, mon Instagram est en barre d'infos. Je vous ai demandé en story de m'envoyer vos articles que vous aimeriez pour Noël. Je sais pas si je pourrais tout mettre parce que sinon je pense que ça va être très long. Et sinon, eh ben, je suis malade, je pense que ça s'entend. J'ai un peu le nez bouché. Bon là je me suis mouchée donc c'est bon. Mais j'ai mal à la gorge aussi, donc je parle un peu du nez. Personnellement moi je l'entends, après je sais pas si ça s'entendra vraiment à la caméra. Mais voilà, je m'en excuse, mais ce n'est pas de ma faute. C'est juste qu'il faisait très froid et j'étais pas assez couverte. Bon d'abord je vais me décaler et je vais tout mettre en photo. Et d'ailleurs j'ai pas mis beaucoup de déco de Noël d'ailleurs. Je vais aller allumer ma guirlande. Je sais pas si ça change beaucoup, mais ça fait un petit peu plus Noël. Bon du coup je vais commencer par moi. J'ai quelques articles à vous montrer. En premier, j'aimerais beaucoup avoir des hugs. C'est vrai que dans toutes mes wishlists je demande des hugs, mais ma mère déteste ça parce qu'elle trouve que ça coûte cher pour ce que c'est. Et vu qu'elle aime pas du tout, bah elle veut pas du tout m'en prendre en fait. Je mets ça quand même dans ma wishlist, même si je sais que je n'en aurai pas. J'ai une petite larme qui coule. En deuxième, j'aimerais beaucoup avoir ce sac Sandro-ci. Je l'avais déjà mis en story, Instagram. Ça va si vous préfériez le noir ou le bleu. Enfin, c'était juste pour savoir votre avis, parce que moi je savais très bien lequel je préférais. C'est totalement le bleu, de toute façon, c'est celui que j'ai mis en photo. Je trouve vraiment hyper beau, de la hyper bonne qualité. Et ce que j'aime le plus sur ce sac, c'est que les détails sont tous en argenté, et en ce moment j'ai vraiment un truc contre les détails dorés. Ensuite là je vais pas vous mettre de photos parce que j'en ai pas vraiment d'idées en tête. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau porte-carte, enfin porte-monnaie, porte-carte. J'ai de plus en plus de cartes et finalement en fait ça passe pas tout. C'était bien genre pour le début de l'année quoi, mais au bout d'un moment ça commence à être un petit peu lassant. Pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle, en fait c'est ça tout simplement. C'est une pochette comme ça, je vous l'avais montré dans une vidéo Back to School il me semble. Et voilà, du coup bah il y a mes cartes dedans. Mais je mets aussi mes écouteurs en fait dedans. Et si je mets de l'argent, souvent les pièces elles se faufilent là. Et souvent quand je joue, et ben en fait ça tombe. Et c'est hyper chiant parce que des fois ben, j'ai perdu des pièces. Enfin, genre c'était des pièces de 10 centimes. Hein. Voilà, parce que je suis pas riche quoi. Ensuite, ce que j'aimerais bien aussi, ça serait un nouveau bracelet pour ma montre Clouse. Clouse, en fait je sais pas comment ça se dit. Moi j'ai dit Clouse, mais après il y a des gens qui disent Clouse. Voilà, bref. J'ai le bracelet noir et un bracelet rose comme ça. Mais le bracelet noir, en fait c'est un petit passant comme ça. Enfin, le petit passant qui bouge là, et ben en fait il s'est détaché. Du coup ben je la mets plus trop, mais il faudrait que j'essaye de la réparer parce que je la préfère totalement en noir qu'en rose comme ça. Mais j'aime bien en avoir plusieurs parce que ça fait comme si j'avais plusieurs montres alors qu'en fait j'en ai que deux. Enfin, j'ai ma Zadig et Voltaire et j'ai la Clouse. Du coup après je vais vous dire deux autres articles que j'aimerais énormément avoir. En premier c'est le sac Zadig et Voltaire que j'avais essayé. Il est juste magnifique. De toute façon si je l'achète un jour, je ne l'achèterai pas au prix neuf, c'est sûr. Je l'achèterai sur Vinted en occasion. Alors ce que j'aimerais bien aussi, ça serait des Golden Goose. Je vous les ai déjà mis dans une vidéo, c'est plus laquelle, mais je vous les ai montré très récemment. Ce sont les Golden Goose montantes blanche avec la petite étoile rouge. C'est un modèle qui est très simple mais qui fait quand même son effet, et je trouve vraiment que des Golden Goose en fait c'est le must have d'une garde-robe. Je les sur kiffe. C'est vraiment une paire qui est très confortable et qui est très jolie esthétiquement. Et voilà quoi, vraiment je kiffe cette paire. Et après pareil, j'ai pas trop, enfin j'avais dit deux articles mais bon là c'est le troisième, du coup c'est le dernier. J'ai pas trop de modèles en tête, mais j'aimerais beaucoup avoir une nouvelle paire de bottes. Je crois que je vous en avais déjà parlé aussi, mais je suis pas sûre là. J'aimerais beaucoup avoir des bottes pointues et hautes, genre enfin haute genre 7-8 cm comme mes textos quoi. Parce qu'il faut savoir que je mesure 1m49, donc je suis excessivement petite. Et moi il me faut de la taille, sinon je suis trop petite. Voilà, des bottes noires simples, ou même j'en avais vu chez Zara. J'ai une photo sur mon téléphone, elle est pas de hyper bonne qualité, mais j'essaierai de vous l'insérer pour vous les montrer. Parce que je les trouve hyper jolies, même s'il me faudrait plus des bottes simples noires. On est mort d'être malade. Bon, maintenant je vais passer à la partie des abonnés. Vous avez été pas mal à m'envoyer des messages, donc j'essaierai de faire un petit tri parce que sinon je pense que ça va durer trop longtemps. Je vais commencer par mon ami parce que je viens juste de recevoir
recevoir son message en fait, tout simplement. C'est emma.crvlh, c'est un peu compliqué à dire. Elle aimerait bien cette paire de Vans, donc je vous mettrai là. Après, je la connais, donc elle m'a dit qu'elle aimerait bien aussi sa moto, des piercings et une place de concert pour l'homme pâle. Mais voilà, sinon, bah, sa paire de Vans, personnellement, je suis pas hyper fan des Vans. Je trouve ça un peu simple. Et c'est pas trop mon style, je pense que vous le savez, je pense que vous le voyez en fait. Mais voilà, sinon, bah, c'est un peu un basique parce qu'elles sont vraiment toutes noires. C'est vraiment très simple. Ensuite, il y a Joy du bas 2A qui m'a dit qu'elle aimerait bien une montre Clouz. Je l'aime beaucoup, je la trouve très sympa, même si je préfère avec le cadran noir, en fait, comme la mienne. Mais celle-là aussi, c'est un peu un basique en fait à avoir. C'est vraiment genre une montre hyper simple, hyper basique qui passe vraiment avec absolument tout, sachant qu'on peut changer les bracelets. Ensuite, j'ai aussi Juliette.bnnt. Ce sont les Adidas Original. Elles sont hyper belles. C'est celle de Kylie Jenner, celle que je préfère au niveau des couleurs, mais celle-là, je la trouve assez originale, assez belle. Vraiment, j'aime beaucoup. Désolée si j'écorche un peu ton nom, mais je sais pas comment ça se prononce. Garnier Solveig, je suppose que ça se dit comme ça. Elle m'a envoyé deux de ses articles. En premier, c'est une paire de Converse avec une grosse semelle. Elle coûte 80€, pareil, pas cher du tout, parce que je trouve déjà des Converse ça coûte pas cher de base. Celle-là, bah, je trouve assez originale parce que tout le monde a les bases simples, enfin genre vraiment tout le monde les a. Bah, celles-là sont un petit peu plus originales. Après, c'est vrai que je préfère les modèles simples. Après, je suis pas non plus hyper Converse, mais je préfère quand même que Converse au Vans, je sais plus parler en ce moment, voilà. Donc voilà, celle-là je trouve plutôt sympathique. Et elle m'a aussi envoyé des lunettes Captain and Son. Et bah, je connais pas du tout cette marque, mais ces lunettes sont juste divinement belles. Vraiment, genre j'ai pas les mots, je les trouve hyper canon. Elles n'ont pas l'air hyper cheap non plus. Donc voilà, hyper simple, noir, vraiment basique, mais je les trouve hyper canon. Après, j'ai aussi Noemi.stb. Je sais pas si ça se dit comme ça. Qui m'a envoyé une veste. Je connais pas la marque ni rien. Je sais pas si elle le connaît aussi. Désolée, je me touche toujours les cheveux. Je vais encore recevoir des commentaires. Arrête de toucher les cheveux. Bah, je la trouve assez sympa. Enfin, j'aime bien en fait. Mais je trouve que ça fait plus automne que hiver quoi. C'est juste ça. Elle a l'air bien moumoutée. Que on dirait, il y a de la petite moumoute ici. Après, je sais pas si ça continue dans les manches. On dirait pas. En tout cas, elle est plutôt sympa. C'est pas forcément le genre de veste que je porterai. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, tu as de très bons goûts. Donc. Ensuite, j'ai LXRS. Elle m'a montré le sac Zadig et Voltaire. Il est beaucoup trop beau. Je savais pas qu'il faisait des sacs comme ça. Il s'appelle Lolita. Il a la bride Girls Can Do Nothing. Vraiment, il est trop beau. Mais même le sac en lui-même, il est vraiment hyper canon. Après, j'ai aussi Liu.yz. Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup un meet and greet pour le Sweetener World Tour de Ariana Grande. Je suis totalement d'accord avec lui. Putain, je le veux moi aussi. Je sais qu'elle passe à Paris, donc maman, si tu passes par là, achète-moi des places s'il te plaît. Je veux y aller. Ensuite, j'ai Adèle, oula, attendez, Adèle Pichon, qui m'a envoyé une montre Zadig et Voltaire. Je vais essayer de pas m'éterniser parce que je sens que cette vidéo va durer 30 ans. C'est une montre qui est assez simple, toute grise avec la tête de mort en fond. C'est vraiment genre l'emblème de Zadig et Voltaire avec les petites ailes là. Je valide totalement ta montre, je la trouve hyper belle. C'est totalement le genre de montre que j'aimerais porter. Donc voilà, vraiment, je valide à 100%. Après, j'ai aussi Nougatine Zoé qui m'a envoyé une paire de chaussettes parce qu'elle est fan de chaussettes. Elle met des chaussettes très originales, mais genre vraiment tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle met pas des chaussettes normales en fait. Donc voilà, ce sont des chaussettes avec des Pères Noël dessus. Je valide pas trop celle-là. C'est pas le genre de truc que je porterais, mais autant de pas. Donc voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu, que ma voix de personne malade ne vous aura pas trop énervée. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. J'espère, enfin en tout cas, mon gros goal, ça serait d'être les 5000 avant l'année 2019. Ça serait vraiment genre le big goal d'une vie. Donc voilà, moi personnellement, je vous fais plein de big kisses et je vous dis à la prochaine.